Sur le tapis numéro 3 dans la catégorie du poids de 66 kg, il est le vice-champion d'Europe 2014 et deux fois vainqueur du tournoi de Paris. Il est. Son frère, c'est le tapis numéro 5, Kunjaduli. Il est en judo qui bleu, il se présente maintenant sur le tapis. David Larose et il compose en judo qui blanc à Odilon Massonard. Naïma a oublié de sortir. Tapis numéro 2, se trouve à Bradley Barnier. Oui, mais c'est pas la tapis, c'est l'abattoir. En plus, mais sinon, vous allez tomber à l'abattoir. On va arriver bien préparé parce que avoir le centre, ça va être énorme de capacité. Mais. Ce programme, c'est le reste de la balle. Michel déjà, si y a un avec un mot, qu'elle perd, c'est la maladie que tu perds. Si elle a une maladie, c'est que finalement, ça va. Ça compte des points. Elle doit perdre des kilos si elle va aller en tournoi. Nous, en inscrivant à l'abattoir, moins de 50 euros. C'est 40 minutes, je le sais, et ça passe par des entraînements forts si tu veux suer. Alors, t'as pas que tu veux pas suer, donc tu vas aller à la fin. J'avais déjà mis ça dans le tête ce matin, je le sais. Je sais que tu l'adores, Sonia. Mais vous, vous avez des capacités, mais ça n'allait pas. Gros mot quand même. C'est dommage parce que elle est dans un autre entraînement. Ça m'arrive de ressentir sur un entraînement, je leur dis, là vous avez bossé. En plein derrière, allez, bref, là je suis limite, je les supplie pour ce que je bosse. Et des fois, ils arrivent à être dans cette boutique, ils sortent avec la banane. Parce que c'est un plaisir à bien bosser. C'est bien la musette. Ah bah là elle a pris. Elle m'a voulu, etc. Mais moi nous on savait qu'elle était prête. Ouais. Donc on leur dit qu'ils peuvent les détester, c'est pas grave. C'est le présent. René Tu nous remercieras plus tard. Ouais, ça en fait du bien là. Et on voit faire un truc. Elle est dans les temps. Elle doit y être complètement à la rue. Se présente et se met à tous. Merci, Morgane. Allez, allez, allez.